La paix de Dieu soit avec vous, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous disons bon, le monde bonjour, que le soit côtoyé dans le bout de monde là, exactement dans cette Floride à côté de nous, ou même qui en Europe, ou même qui en Afrique, ou même qui dans Haïti, ou même qui dans la zone côté de la guerre, côté problème le monde. Et engravé avec l'Ukraine, avec la Russie, quel va côtoyer, nous saluons, même qu'en Haïti, les sacs qu'on a traversé, nous saluons. Normalement, c'est Pasteur Serge Jean-Baptiste qui dit nous encore une fois de plus bonjour. Et nous venons porter un message spécial pour nous-mêmes. Le message que nous portons pour vous, c'est un message de un rendez-vous que le Seigneur te baille disciple. Et le tenant retourné dans la chambre haute, il dit comme ça, c'est plus autant ça que papa te promet yo a. Mais qui ça papa te promet yo? C'est le Saint-Esprit. Et ça nous parle, aujourd'hui nous parle de le jour de la Pentecôte et la fondation de l'Église. C'est de ça que nous parle pas l'eau, matin. Comme apôtre Paul dit nous, prêche la parole, insistez en toute occasion favorable, non, reprend ça sûr et avec toute douceur. Ou connecté à la voix de l'Église évangélique chrétienne de Dieu et aussi à Radio Télé Sentinelle. Et vous même capotez nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Instagram, whatever, côté nous. Eh bien, nous là pour nous servir au matin, c'est là. Alors, journée, alors, nous connaissons journée. Dans notre bonjour, c'est-à-dire que et bonjour, il est là pour tout le temps. Que mettez l'après-midi ou de demain bonjour, c'est un bon souhait que vous balayez. Et ça que nous exactement, nous parlons pas de la Pentecôte, mais nous voulons fort connaître exactement et nous avons un chant que nous voulons dédier pour même la chasse. C'est attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Ou bien pourtant des chansons pendant que nous prions prier. Ou bien pourtant des chansons pendant que nous prions prier. Après ça, nous prions ouvert avec lecture de la parole que nous avons pour vous concernant le jour de la Pentecôte et la fondation de l'Église. Seigneur Dieu, pendant que nous sommes là, nous vous remercions pour l'opportunité que nous ou permettre que nous te dormions nous lever et nous avons sécurité et dans la maison nous. Et tout l'autre qui est de loin et de près qui petit tout, que vous remet en pile, que vous dites le monde entier remet vous. Parce que vous te baille seul un fils unique pour sauver tout. Mais c'est de ne pas faire acception de personne. Et vous raison ça, matin nous venons, Seigneur Dieu, nous-mêmes aussi, nous ne pas faire acception de personne, quelque chose côtoyé dans votre monde là. Et mais ça c'est pour même lier spécialement. Nous demandons que bon Dieu capable de passer mes soins même sur toute petite lit à travers le monde. Ça y est, peut-être qui est en danger, qui est en péril, quel que soit côté où il est. Ça y est, qui est en bataille, qui est dans la guerre. Bon Dieu lui-même, c'est lui qui est capable, qui a autorité, qui est pour contrôler. Et le dit comme Dieu dit la parole, lui, et cassez ça, fermez ça. Fermez mes amis, cassez les amis, cassez bonnes amis. Et c'est bon Dieu capable de faire ça. Et au matin, quel que soit côté où il est, ou même qui petit, bon Dieu, nous couvrons avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est grâce que nous demandons, bon Dieu, papa, nous, hein, dans celle-là, l'éternel des années, des armées, dans nos petits de Jésus-Christ, et qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, et comme nous disons, et nous gagnons, et tout cela au cap côté nous, nous capables de prêter attention, et pour capables de partager avec les amis. Mais ça, c'est là, son message qui est vraiment important. Nous parlons de. Pendant le jour de la Pentecôte et aussi la fondation de l'Église. Nous parlons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, pour même. Même quand on est de loin de près, nous parlons dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ça, c'est côté, le Seigneur a dit, disciples, tant de promesses là, qui te parlé dans Jean, qu'il te parlé, non? Il dit, tant l'esprit consolateur là, qui vient pour venir. Et les disciples même, exactement, ils ont été montés dans la chambre haute, puis ils ont éteint l'esprit consolateur là. Dans Acte 2, il dit non, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous dans notre propre langue et à chacun dans notre langue maternelle? Pat, Med et la Mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Là, nous étions avec lecture, parole de Dieu, pour édification du monde entier. Parce que nous connaissons, nous parlé là à le monde entier. Nous étions, mon Dieu, capable d'édifier tout le monde qui recevra la parole là, la caille. Maintenant, ce que nous voulons dire exactement, nous voulons parler avec vous que l'ordre du maître, l'ordre du Seigneur, les bons du baillon l'ordre, eh bien, il faut que nous mettions l'ordre là en application. Eh bien, bon Dieu t'a parlé avec disciples, il t'a parlé de l'esprit consolateur qui vient pour venir. Et l'esprit consolateur et disciples fait exactement ça que le Seigneur t'a dit pour attendre. Et l'esprit consolateur. Mais le Seigneur n'a pas dit où qu'il est exactement l'esprit consolateur à l'avenir. Mais disciples ont été à la brèche. Ils ont attendu dans la chambre haute l'esprit ça qui est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu et qui pour travailler avec eux. Et ils ont été à l'étonne présence d'Esprit Saint. Mais maintenant, ça que nous voulons faire, ouais, exactement. Et la Pentecôte est venue exactement après la résurrection de Jésus-Christ. Nous connaissons que la mission de Jésus-Christ est venue, c'est pour te enseigner les disciples et puis pour te voyer aller par tout le monde, puis être une bonne nouvelle à toute la création. Là, nous regardons dans le passage ici là, dans Actes chapitre 1er, qui montre exactement, Jésus était passé 40 jours après la résurrection, qui est bien mentionné dans Actes chapitre 1er. Et nous ne pas appeler tout, d'abord quelques parties là-dedans. Dans verset 3, il dit, après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, c'est la première partie que nous arrivons avec vous, où le Seigneur
Et après la résurrection, faut que yo te wel. Parce que quand pile monde qui baille l'argent avec soldat qui t'a suivi là pour démentir qu'il pas ressuscité. Mais Jésus fait plusieurs apparitions. Mais nous connaissons l'économétrie et nous ne pouvons pas le toute apparition que Jésus fait. Il fait apparition avec les dames en prenant Marie de Magdala pour le Seigneur faire apparition avec eux. Et mesdames, ça c'était, ce sont des mesdames qui étaient ferventes. Et moi, en pile, qui travaille mesdames, et travaille mesdames, surtout en de l'église, qui travaille, qui a fait en de l'église. Bon, c'est en pile, fois où c'est les dames qui supportaient l'église. Et en pile, l'église qui subsiste aujourd'hui, puis après confinement, ça, COVID-19, ça, mais nous, c'est toujours les dames. Nous, par contre, pour que ça, les hommes, pas tellement trop intéressés parfois. Mais les dames, toujours dévouées, mesdames, yo, yo levé dans la nuit, puis elles portent aromates, puis elles portent, puis elles louent sauveur. Mais c'est eux-mêmes tout qui fait première rencontre avec Seigneur là. Pendant que j'ai passé 40 jours, premier jour de résurrection, si nous arrivé pour nous parler à Jean chapitre 20, on doit écouter, mesdames, yo, Marie de Magdala, c'est eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes tout qui premier Seigneur là. Le Seigneur a dit, pas touché, man. Beaucoup aller contre papa non, contre papa non. Les mesdames nous avons touché Jésus. J'ai dit pas touché. Mais elle dit foyo, côté pour autant de moins, aller tant de moins en Galilée. Ça, c'était une rencontre. Non, et les seigneurs avec les disciples et tout ensemble, cette rencontre-là était faite en Galilée. Ça veut dire que nous n'avons pas ça que qui dit le Seigneur était passé 40 jours, il était par la disciple concernant le homme de Dieu. Et le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ouais, pendant le temps avec eux, il dit, pas quitter Jérusalem, n'est-ce pas? Enfin, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est-à-dire que ça a été déjà annoncé dans Jean, que nous avons l'Esprit Consolateur, c'est qu'il pour finir. Et ça fait que, il dit, c'est ça, papa, me promet tout. D'attendre ce que le Père avait promis, c'est sa papa me le promette. Hein. Ce que je vous ai annoncé, moi annoncé non, que papa me te promette lui. C'est bon autant, c'est le Saint-Esprit qui est devenu. C'est-à-dire que travail par le plus devant, il n'y a pas qu'à travailler l'évangile là. Donc, il parle le jour de la Pentecôte, la fondation de l'Église. Pour l'Église avancer, il faut qu'il y ait une puissance, mon power. Et toute force qui est dans le monde, si il y a une parole, il y a une puissance. Mais si vous-même, vous allez prêcher sans puissance, c'est-à-dire que vous sont faibles, n'importe l'ennemi lui-même, il est capable de frapper vous parce que vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de puissance. Ça fait Jésus qui, pas vous et monde, à prêcher l'évangile, sont pas de puissance. Et si vous n'avez pas de puissance, l'ennemi l'a déchiré. Nous disons, les filles de Séva, ils font des ordres, nous disons, Satan a déchiré. Ça nous dit, comme Paul, mon Silas, mon monsieur, même pas connait nous. Mais tu dis que ces petits sacrificateurs c'est comme des grands prêtres. Eh bien, nous Satan volé sur eux. Prendre Satan c'est toujours son monde lui servi, il déchiré eux pas en pas. Il voyait la ça veut dire que ou pas capable prêcher l'évangile sans puissance. Sans puissance bon Dieu. OK. Donc là nous avancer dans verset 5 car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous, le Seigneur a fait preuve avec les disciples dans Jean chapitre 20. Ça veut dire, nous ne pouvons pas parler texte pour vous. Dans Jean chapitre 20, côté le Seigneur lui-même, il était soufflé du disciple. Nous, il y a quelques disciples qui battent là. Les Jésus étaient soufflés sur eux. Il dit de recevoir le Saint-Esprit. Il dit de recevoir le Saint-Esprit. Il dit soufflé sur eux. Mais quel monde qui dit c'est l'esprit apparent, pas en vent, les pas en bagaille. Mais depuis mon Dieu, Jésus a parlé de côté, il dit vent, souffle côté élevé. Quel monde qui dit mon a soufflé dans le micro. Mais peut-être Jésus pas de micro, pas soufflé dans le micro, mais Jésus soufflé sur eux puis on recevoir le Saint Esprit. Et puis on continue dans verset 6, dans acte 6 là. Alors les apôtres et réunis lui demandaient Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il t'a demandé, est-ce que c'est dans le temps ça?
ou pour rétablir le royaume d'Israël. Ça, c'est sa disciple tard, mais qu'on est. Parce que nous connaissons, juifs là, les mêmes, toujours aller en captivité, nous toujours, des fois, dans 70 ans, quelques 70 ans, ils n'ont pas, les juifs là, et pas fait exactement ça, mon défait, il y a des 70 ans, il n'y a pas, offrir de fait, mais bon Dieu, qu'on veut en captivité, soit en Égypte, soit le bas, mais dernier captivité, c'est le patrice de Jésus, et puis le peuple a été, juifs ont été papillés sous Titus en l'an 70, tout partout dans le monde. Tout le monde. Je suis été papillé parce qu'il était bon rejet, il était riche Jésus. Puis il était riche Jésus, mais si il était pour venir, il était obligé d'aller en captivité. Ah non, parce que par ça, exactement, on a parlé, non seulement font passer et en cours. Dans verset 17, là, Jésus répond, le yoman de Jésus, est-ce que c'est l'entente, ça l'a prétabli, ouais, d'Israël là, mais Jésus dit, oh, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il y a des bagailles que il a questionné, il y a des apôtres, prophètes, on prend serviteur de Dieu, il y a des bagailles qu'il a questionné, bon Dieu, mais il y a un pile de bagailles que nous besoin connaît, il y a déjà écrit dans la Bible. Bon, si on bagaille a parlé aujourd'hui, il parle dans la Bible, ben, toute parole, mon Dieu, parle en dans la Bible. Et l'obéissance, mon Dieu, parle en dans la Bible. Puisque, si vous connaissez ça, mon Dieu dit, même quand un prophète a parlé, que ce soit un monde qui a parlé, n'entend pas, non, une génération pas, non, qu'il y a un pire prophète qui existait à travers le monde, et il faut être capable de discerner qui est-ce qui est vrai prophète, qui est-ce qui est faux prophète. C'est la vie de moi-même, pas toujours, remet, dit mon faux prophète, mais, et parole, il faut l'en dans la Bible. Parce que parole, mon Dieu, parle en dans la Bible. Mais que tu te comprennes par là, que tu ne pas comprendre, c'est en dans la Bible parler. Et maintenant, c'est là-dedans de parler. Mais les disciples posent Jésus question ça. Jésus, obligé de répondre, il dit, dans verset 8, là, c'est son gros verset clé lié. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et il ne le déroba à leurs yeux. Ça veut dire que c'était des derniers messages. Jésus t'a passé, pendant Jésus, il parlait non là, il passait 40 jours sur la terre. Il passait 40 jours sur la terre. Après la résurrection, il va passer 40 jours pendant tout le temps sur la terre. Jésus passait fait 33 ans. Il est monté la croix pour nous. Mais après la croix, pour te faire apparition avec les disciples, pendant tout le monde qui était là, soldat qui était là, il recevait l'argent pour dire au patron Jésus. Le monsieur qui t'a prêt à aller et qui t'a parti, Jésus est rentré dans la route, quand tu as parlé, Jésus fait ouais avec eux. Jésus rencontré avec eux encore, levé dans le temple, dans la chambre, côté où tu as dit la paix avec eux. Thomas, pas quoi, bon Dieu fait quoi. On prend Jésus encore là, il mange avec eux pour lui montrer qu'on est l'esprit. On esprit pas gain et pas gain cher. Mais il montre qu'il ressuscite vraiment, mais il y a un zoo, il y a un chien, et il mange. Il mange poisson, il mange pain avec eux. C'est pendant 40 jours ça, Jésus a fait tout ça avec les disciples. Mais maintenant, ça que nous voulons parler du matin, parce que c'est matin, vraiment, et ça que nous voulons parler de la Pentecôte, côté disciples, nous étions déjà libres même, côté travail, ça a été fait le jour de la Pentecôte. Côté, on était tout à coup, qui s'est arrivé, nous étions déjà libres, même, nous ne pouvons pas le lire, seulement on a parlé, nous étions en vent, impétué, en gros vent, en gros tempête qui descend. Non? Et vent, tu descends, il était rempli toute la maison où ils étaient assis. C'est-à-dire, c'est des messieurs, des disciples, ils ont fait un côté, ils étaient chita, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient chita, et puis, vent, ils descendent, l'entrée côté monsieur était chita, il était assis.
comprendre font nos bonnes paroles là Jean lié parce que nous venons nous voulons parler Jean l'évangile l'a parlé nous te ouais cet esprit il parle dans la langue maternelle mais non moment on a parlé avec quoi nous voulons cet esprit parler avec nous dans la langue maternelle langue maman nous et langue française nous connaissons la langue la France mais la langue créole nous connaissons la langue haïtienne haïtienne c'était de langue parlée université parlée pour faire langue non en langue officielle mais tandis que nous faisons langue ça en langue donc son langue étrangère mais toute langue c'est langue mon Dieu ton langue mon Dieu c'est langue mon Dieu mais nous connais leur nom pays ou gon langue qu'on parle grand pays l'autre pays où on parle l'autre langue mais gon langue nation on parle on parle non et pour moi même le parler de langue maternelle tout haïtien indistinctement parle créole même si mon nom yo fait langue française comme langue et officielle et au dimanche yo font langue et privée en langue qui gagne potentiel on pense sou pas parler li sou pas parler le problème mais nous voulons rester dans langue maternelle nous pas aller faire littérature maternelle nous voulons rester dans langue maternelle là dans langue maman nous bon on dit les spécial des langues semblables à des langues de feu des gagne langue de feu qui descend bon nous parler de langue de feu est-ce que c'est un c'est pas du feu le dire pendant tes descendants des gagne des langues de feu t'es pas être et il va connaître son petit flèche qui descend qu'on braille du feu qui paraît on prend les apparus séparés les unes des autres les du feu à venir les séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux alors on poser et du feu à poser sur chacun d'eux est-ce que tu vois du feu à entrer ça veut dire que et ça c'est puissance là ça va en anglais a dit c'est pas ouais on prend les puissances entre sous yo qu'on a eu une manifester présence mon Dieu et puis là ça ils furent tous remplis du Saint-Esprit merci Seigneur Seigneur Dieu nous tout le monde t'a remis rempli du Saint-Esprit si vous n'avez rempli les conditions pour montrer nous remplis du Saint-Esprit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues il y a pas tout on a parlé de d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, c'est pas Jean voulait parler, non? Et laissez cet esprit entrer sur vous. L'on manifester présence de cet esprit, cela veut dire que c'est Jean l'esprit a baou pour parler. Ou pas parler, c'est l'eau pensée par. C'est l'esprit qui a guidé devant monde, pour dire population qui a côté là. N'est-ce pas? L'objet qui a côté là. Nous jeunes, et ensuite, il dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes nations qui entrent en bas ciel là, ils ont toutes réunies, juste ça, qui étaient jours de la Pentecôte, et nous parlons de la fondation de l'Église. L'Église, c'est ce que ça a fondé. L'Église a fondé sous l'enseignement des apôtres, et elle a fondé sous l'enseignement Christ. Et il y aurait les apostoliques. Il y aurait les christologiques dans la théologie, mais et ça, il n'est pas question. Ça, pas question. C'est Jean que l'Église a fondé lui-même son enseignement. Ça, et c'est lui-même, c'est enseignement ça, qui pour nous joindre, pour nous conduire, pour nous quitter l'Esprit Saint, lui-même nous conduit nous, dans toute la vérité. On prend un an. Ça fait que la Bible fait nous connaître et parole là. Qui dans la Bible, les marcher avec le Saint-Esprit. Si vous voulez prêcher sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que parole, c'est parole par, ça c'est pensée par. On prend, mais parole là, les deux parler par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit, ou après que des merveilles qui peuvent faire dans la parole là. Et puis, le monde qui t'a coûté, t'es comme multitude qui était là, au verset 6, au bruit qui est lui, la multitude a cru. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que, ils ont été confondus, ils n'ont pas qu'à comprendre, parce que c'était vraiment son surprise. Il est tout dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Dans la surprise, ça, ils se disaient les uns les autres, face à ces gens qui parlent, ils sont tous galiléens. Mon Dieu, nous, ça t'est passé dans la tour de Babel. Les messieurs t'ont construit dans la tour de Babel. Et les seigneurs te descendent, bon Dieu te descendent, dit, si nous quittons, fais ces affaires, et il y a privé quand même. Eh bien, les seigneurs te confondent langue.
Et bien, depuis dans Babel, l'anglais te confond. Vous devez te confondre l'anglais. Ils avaient les hommes dans tout pays, parlaient toute qualité de langue. Mais la Bible montre nous tout dans Acte 17 que tout homme sorti dans seul sang. Dans quel soit côté nous, quel que soit dans côté nous placé sur la terre, nous sortons dans seul langue. C'est ça, Acte 17 dit nous ça. On prend Acte 17 dit nous ça. On a parlé, ça veut dire que c'est la vérité que et en plus fois nous-mêmes qui noir, qui rouge, qui jaune, qui blanc, en bon, nous fait discrimination, les gens fait discrimination, mais qui te fait discrimination? Parce que bon Dieu lui-même, lui-même pour qui que lui crée toute couleur en couleur que le remet couleur de l'arc-en-ciel. Bon Dieu remet ni, mais les hommes eux-mêmes, ils fait affaire par eux puis détruire l'autre. Qui ça plus faible, ça qui noir, on prend, nous pas capable dans même cas avec eux. Mais, soit bon Dieu lui-même, et avec puissance cet esprit ça, bon Dieu, bah, il monde que le monde qui a marché dans l'intégrité, monde qui a marché dans la droiture, dans la fidélité, monde qui a marché dans l'amour de Dieu, c'est monde ça, bon Dieu, qui était manifesté, et qui a une puissance, qui a une onction. Qui pour agir selon la parole de Dieu, sa parole de Dieu, Paul l'a dit. Dans Acte 17, là, que nous disons, dans verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bonnes de leur demeure, quel que soit coteau ou bonne maison et demeure sur la terre, mais c'est dans seul sang que nous sortis. Il pas parlé de bêtes, il pas parlé d'animaux, mais il a parlé de l'homme. Soyez, nous retournons encore sur la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, dans verset 15. C'est un message qui était déjà annoncé par prophète Joël, dans Joël 2, verset 28. Et depuis, tantôt, ça t'est parlé aux environs 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. Joël te prophétisé ça. Nous jouons dans verset 15, monsieur te dit, moun yo sont ces de bon moun qui se divers au bon grand matin, mais te dit 9e heure. Nous dit, et apôtre Pierre parlait avec eux, ces gens ne sont pas ivres, et comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et d'un côté, c'est 9h du matin, mais c'est grand matin, grand matin, moun pas capable aller là. Non, stop pour le boire, acheter boisson pour le boire. Mais dans l'après-midi, au soir, nous avons pris boisson. Mais ça veut dire que nous avons dit, moun sa yo, yo te sou avec cet esprit. Yo te rempli avec cet esprit. La Bible montre ça. Elle montre que nous sommes capables sou avec cet esprit, mais nous ne sommes pas capables sou avec tafia. Puis nous sommes avec cet esprit, nous sommes avec tafia. Nous avons un texte dans Ephésiens qui dit nous ça, mais nous avons dit pour nous-mêmes. Mais c'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Petite fille avec petit garçon à prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Qui est-ce qui a prophétisé là? Ces petites filles, oui. Ces petits garçons, oui. Ces vieillards, oui. Et qui a bien des songes. Il y a bien toute révélation, ça, oui. Ils sortent de Dieu. Mais c'est après la puissance du Saint-Esprit. Ça fait Jésus, t'es guérison, dit nous. Et pour ça manifester, c'est pas déplacer qui était Jérusalem. Ça veut dire l'église, fondation de l'église, elle a commencé à Jérusalem. L'église n'a pas fondé aucun autre pays. L'église Jésus-Christ a fondé à Jérusalem. Parce que nous commençons à bien aimer. Nous ne pouvons pas très bien. L'église a commencé à qui côté? À Jérusalem. Nous mettons ça dans la tête, non? Il y a des gens qui disent c'est à Rome qui a commencé. Non, l'église n'est pas commencé à Rome. Il a commencé à Jérusalem. C'est là que Jésus t'a dit à l'temps. Les disciples ont venu papiller. Ils ont venu quitter qu'on a l'église à les entrer plusieurs de l'autre côté. Nous dit dans le verset, nous allons regarder dans le verset que nous avons continué pour nous-mêmes. Dans le verset
et 17, il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, j'ai répondu de mon esprit et ils prophétiseront. C'est-à-dire que l'esprit, ça, l'esprit consolateur, là, qui est depuis dans Jean 17, bon, il dit, l'esprit, ça a venu, et puis autant, l'esprit, ça a venu, l'esprit consolateur, là, il est venu, et qui s'est fait, il a prophétisé. C'est-à-dire que, il a prophétisé, qui, non, prophétie, à qui ça n'aurait, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. C'est-à-dire que, non, prophétie, il a prophétisé, il y a des prodiges qui apparaissent, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. En bas, il y a l'autre prophétie qui est en bas, il dit le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, c'est encore et une prophétie à Capodien avant l'arrivée du jour du Seigneur, en ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire que si vous avez invoqué le nom de Jésus, vous êtes capable de sauver. Bon, même Jean, la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit non, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Pas un autre nom qui débat sur la terre capable de sauver, sinon que le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Et nous parlons d'un miracle, premier miracle apostolique là. Après, définitivement, puissance ça, hein? Et puissance cet esprit. Hein? Premier miracle apostolique là, t'es bien un pile problème. T'es bien un problème parmi pharisiens, yo, parmi juifs, yo, qui t'es rejeté Jésus. Qui t'es rejeté Jésus. Mais, et lorsque disciples ont commencé à travailler, ben, et là, ouais, merveille, bon Dieu, t'as accompli parmi les disciples. Ah ben nos jeunes, ça te baille en pile problème. Ça te baille les hommes en pile problème. N'est-ce pas? Dans Actes chapitre 3, nous parlons du premier miracle évangélique là. Et le premier miracle, nous parlons dans verset 3, il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Nous avons parlé de 9e heure. Et écoutez, tu as parlé de troisième heure là tout à l'heure, mais écoutez, je vais parler de la 9e heure. J'ai dit 9e heure, le 9e heure du matin. Il va dire du matin, mais c'est 9e heure, c'est du matin lié. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre leur dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ah, c'était un bagage extraordinaire. On va en ou pas que j'en fais une expérience dans la vie chrétienne, l'autre a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et puis pour te recevoir puissance ça, pour te recevoir onction ça, et puis pour rencontrer un monde, t'as demandé, pour dire mon nom, moi pas gagné l'argent. Je n'ai pas de l'or pour me ou, mais ça me gagne. Côté ça gagne. Est-ce que c'est un bagage qui est même? Est-ce que c'est un bagage qui est pied? Est-ce que c'est un bagage qui est tête? Est-ce que c'est un bagage qui est dans? Nous voyons l'Esprit Saint, il était de ça avec du feu. Gon feu qui est en train de dans, pas toi lui. Est-ce que l'Église, je dis, a gagné feu ça? Est-ce que l'Église manifestait
puissant cet esprit par le feu. Au lieu de nous chercher côté puissant ça, puis a été dit ce que j'ai. Ça me dégage en dame, non. Ma baroli. N'est la comprendre. Monsieur Pral, allons valise, laguer quelques billets de dollars dans meni. Ou des billets de 20, de 50. Mais ça le gagne, il vaut mieux que l'argent. Les vieux mots, mieux que des billets de dollars. Les ça que le gagne dans non. Puissance, c'est puissance ça qui descend le jour de la Pentecôte, on n'a pas l'olari. Nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est. Et la fondation de l'Église, quand l'Église a fondé avec puissance. Il faut de la puissance. Mais je veux dire, quand Jésus t'a parlé dans Actes chapitre 16 de puissance et l'Église, là, Jésus t'a parlé de l'Église. Côté première fois, l'Église a mentionné dans Matthieu chapitre 16, et qui ça Jésus t'a dit dans ces circonstances-là? Jésus t'a fontesse, et si nous regardons depuis dans verset 15, dans Acte 16, là, dans Matthieu 16, il dit, je vous le dis, et qui dites-vous que je suis? Mais Jésus, c'est pas synagogue, il t'a parlé encore, non? Il t'a parlé de missionni pour aller l'église, il va le fonder. Bon, bien que qu'on y a, ou que dans l'église ou synagogue, ou dans l'église salvée, mais Jésus-Christ, gagne une institution que le fondé, il t'a pas le fondé avec disciples. Il dit comme ça, il dit Pierre, il dit et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Entendez? Il dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang. Parce que là, Jésus pose des questions. Il est venu en classe et mettre la pose des questions. Tout le monde t'a aimé, c'est lui qui a une grandeur là, qui a une valeur là, ou bien qui a un titre là. Mais c'est lui pour t'a répondre aux questions. Mais c'est Pierre qui répond aux questions. Toutes les 12 disciples étaient là, il n'y a pas qu'à répondre à une question. Mais c'est Pierre. Pierre répond à une question. Et question, pas de personne sur la terre qui était capable de faire Pierre, j'ai une question. Même si les débuts de cas, des problèmes, ils étaient tous magiciens, tous organes, tous membres, tous cataplatans, parce que c'est un problème qu'ils ont. Et les pages, ils ont tout le monde qui était là, ils ne peuvent pas le mettre, ils ne peuvent pas le tuer, tout ne peuvent pas le mettre en danger parce qu'ils ne peuvent pas aller. Révélation pas capable li. Et monsieur dit bagaille ça wap di là pas gen un homme sur la tête qui a révélé non gen des bagailles qui gagnent jodi a côté qu'a révélé des événements qu'a prévu et sous planète noire gars des événements qu'a prévu dans l'année 2022 là mais si sous pas un prophète qui gen connexion avec le ciel oui gen des prophètes qui gen connexion avec le ciel qui cap dit gen événements qu'a prévu comment pour nous mettre dans l'abri. Les jeunes, comprendre qu'ils gagnent partout ailleurs. Ils doivent commencer à repentir, chercher Dieu. Nous ne pouvons pas laisser la retourner. Si nous ne pas repentir, mais quand pile malheur qui a privé, nous sommes capables de tomber en danger, nous sommes capables de tomber en péril. Et ça qui passe sur la terre, je dis, les hommes comprennent, c'est commander, c'est au chef, ou à eux, prince, comprendre. Mais si nous regardons, et non, pas parler là-dedans, mais si nous sommes liés au même, non. Dans Somme 149, après, il y a des rois qui parlent pour corde, il y a des rois qui parlent pour chaîne. Les bons dieux pour arriver sur eux-mêmes, pour arriver sur eux, qui ont fait des crimes nationaux, internationaux, qui ont fait des crimes avec l'autre nation, qui ont fait des méchancetés, qui ont fait des discriminations, de noirs, de rouges. Alors, nous parlons de noirs, nous, c'est noirs qui plus des problèmes avec toute l'autre couleur. Mais nous, tandis que nous sortons seul sang. Soyez matin, montrez-nous que nous sortons seul sang, que vous voulez le coupable. Bon Dieu, son Dieu de couleur, de multicolore, d'arc-en-ciel. Mais bon Dieu, remet sur la tête tout ça qu'elle crée.
Les mots étaient fait tout ça de créer, les vins créer les hommes. Mon Dieu dit, mon Dieu pas dit, il était bon, non, mon Dieu le créé à l'image, moi, et à ressemblance. C'est-à-dire que ce soit le monde qui fait sur la terre, sous du monde en l'aide, c'est mon Dieu dit l'aide. Parce que nous ressemblons tout, nous ressemblons à mon Dieu. Bon, c'est celle bête, plus parce que ressemble à mon Dieu. Mais tous les hommes qui font, qui sont dans celle ça, nous ressemblons à mon Dieu. L'autre dit ça, en plus foi, ou profaner mon Dieu, ou parler mon Dieu mal, de création, mais mon Dieu grand monde, lui fait lui. Parce que dans Somme 24, il dit la terre, le monde, et ce qui le referme, il appartient à l'Éternel. C'est pour lui appartient. Oui, il a continué. Dans le sac d'Abdoula, il dit, Pierre, c'est pas la chair et le sang, et pas la philosophie des hommes qui révèle ça, c'est philosophie divine, c'est dans les cieux, sa sortie, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, mon papa qui est capable de révéler dans le ciel-là. Et là, Jésus est sur la terre. Et il dit, moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette roc, je bâtirai mon église. Roc là, c'est Jésus-Christ. Et tu es Pierre, c'était Pierre lui-même. Il dit, c'est Pierre ça, et ce roc ça, m'a bâti l'église là. Bon, c'est ce roc ça, le roc angulaire, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ah, son mot m'aimait en pile. Mon séjour des morts, pas capable de prévaudoir, pas capable de faire rien avec l'église Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus. Que dans le monde entier. Est-ce que qu'on est porte l'enfer pas qu'à faire rien? Porte cimetière pas qu'à faire rien? Porte maladie pas qu'à faire rien? Lorsque on a l'église Jésus-Christ, mais pour qui ça? Nous paie, nous l'avons caché, nous avec caché, nous avec distance, nous, ok. Mais bon Dieu lui-même, il a un plan pour nous. Il a un plan pour l'église. C'est le moment pour l'église à sortir de nous. Pour nous marcher, pour nous avoir une bonne nouvelle là, tout partout. Parce que Jésus, premier message, il dit, répétez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, il dit, concernant l'église, là, je bâtirai mon église. Il dit, m'a bâti l'église, moi. C'est l'église qui bâtit, pas l'église personne liée. C'est l'église Jésus qui liée. Même si son pasteur, comme dit, on est l'église, c'est pas l'église Paul. C'est l'église Jésus-Christ. Ou son gérant, ou son monde de métaux là, pour faire travail là. On prend, pour bien gérer travail là. On prend pour faire travail là, avec peuple bon Dieu, avec petit bon Dieu, qui est dans l'église là. On prend pour reconnaître, c'est vous-même qui bosse, c'est vous qui papa tout le monde. Oui, ou sont au cas un père spirituel, au cas un mentor. Mais il faut nous connaître, il faut nous respecter papa bon Dieu dans le ciel là, parce que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, devant bon Dieu. Nous devons pour nous mettre à genoux devant, qu'elle soit salée sur la terre. Je dis, vous devez mettre à genoux devant. Papa bon Dieu, qui est dans celle-là. Il dit que les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre elles. Ça dit, porte l'enfer, pas qu'à caser. Et puis, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est comme ça que tu veux faire Pierre, puisque Pierre c'est lui-même. Et Jésus t'a parlé avec lui, il t'a parlé avec Proche-là. Et le roc angulaire, qui est le roc angulaire, Jésus lui-même. Et puis, il dit, ça, on marie en haut, libre clé, hein. Tout le monde qui servit de Dieu, ou bien clé, ça, non, mort. Clé pour entrer dans le royaume mondial. Bon, non. Il dit, sont mari sur la terre, là, la mari dans le ciel, là. Et sont démarré sous terre, là, démarré dans le ciel, là. C'est pour voir ça, bon Dieu, ben, non, l'église, là, il vient fonder. Alors, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est parce que puisque Jésus est venu comme Christ, comme sauveur, ben il dit comme ça, il ne peut pas dire à personne que c'est lui-même qui est Christ là. Il ne dit pas dire ça à personne. C'est lui-même. Ça, c'est un bagage qui est fondé sur le fondement des apôtres et sur l'église à lui fonder et l'église à aussi fonder sous fondement Christ. Et apôtre, et c'est sous enseignement ça que nous devons marcher aujourd'hui dans l'enseignement apôtre et enseignement Christ. Maintenant, et l'église là, elle vient exactement à l'aide du Saint-Esprit. Mais maintenant, une fois de plus, avant d'aller plus loin, pour nous parler de quelles caractéristiques du Saint-Esprit, sous-bagage du Saint-Esprit, on a un peu le problème.
ou pas capable de prêcher l'évangile sans présence Saint-Esprit, ça fait que diable capable de manger ou capable de remplir le problème. Bran, sous pas de présence, non. Parce que quand pile disciple avec présence Saint-Esprit à côté arrivé, côté arrivé, quand mettez en prison, les anges mondiaux ouvrent la porte là, mettez-vous dehors, Pierre, exactement. Paul était en prison, c'est Paul et Silas, mon Dieu ouvrent la porte, puis ils mettent dehors. Cela veut dire, vous êtes capable de comprendre qui est fait lorsqu'on prêche l'évangile avec présence Saint-Esprit. Bran, ou après des miracles qui étaient faits, hein. Nous ne pouvons pas aller trop loin. On allait dans. On allait dans Actes chapitre. Actes chapitre 4 là. Dans Actes chapitre 4. Et nous jouons à cause de miracles qui ont été fait. Nous parlons avec un jeune homme ça. Et bien, il y a une persécution qui est tombée sur les disciples. Il y a une persécution qui est tombée sur eux-mêmes à cause de travail ça. Et nous te jouons dans chapitre 4, verset 5, et montre le lendemain, les chefs du peuple, et les anciens et les scribes, s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean et Alexandre, et tout ce qui était de la grâce des principaux sacrificateurs, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, et leur demandaient par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est-à-dire que même délivrance pour t'accorder avec un monde, c'est-à-dire que ou à côté, tout s'en est de tout réuni pour poser question avec Paul, avec Pierre et Jean, dès qu'il prévient, dès qu'il prévient, pour quelle raison ou fait miracle ça, qui doit gagner? Alors Pierre rempli du Saint-Esprit. À partir de mon Saint-Esprit des Sons, qu'on est à monsieur, pas marcher pour contre, il a marché avec puissance, avec pouvoir, avec autorité. Avec pouvoir, avec autorité, il a marché. Il dit, alors Pierre est rempli de Saint-Esprit. Et leur dit, chef du peuple, il a parlé avec tout monsieur Sayo, aujourd'hui, il y a Anne, le sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, tout Sayo, il est réuni, puis il est capable de poser Pierre et Jean question ça. Pas qu'il pouvoir, puis il est capable. Ou capable de faire ça, camper sur des pieds. Mais je veux dire, ouais, vraiment, même si des hommes de Dieu, tu as fait miracle, tu as aidé au monde, ou tu as prié avec l'hôpital, ou tu as allé à droite, à gauche, dans les six mondes, ou tu as pensé au monde. Mais il y a des gens qui ont vu parler de la paix d'autorité à faire, qui doit gagner. Mais je ne comprends pas. Même si je me suis parlé dans le premier palais, je me suis dit, dans Somme 24, la terre, le monde, et ce qu'elle enferme appartient à l'Éternel. Nous ne connaît si le monde, la terre, et ce qu'elle enferme appartient à l'Éternel. C'est à l'Éternel lié. La terre pas pour personne. Il n'y a pas aucun chef, aucun commandant sur la terre, aucun roi, aucun prince. La terre, c'est pour l'Éternel, mon Dieu lié. Parce que nous, c'est le monde qui a servi Jésus, petit bon Dieu. Puis, goûte texte, nous ne pas préciser que les chrétiens connaissent texte. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pour dire aimer le monde, il a fils unique client. Qui croit dans lui ne périsse pas. Moun ki kwen nan petit ça ou pas péri. Et ça fait nous dans acte 12 14 là, il y a deux salut en aucun autre. Il y a sur le ciel par l'autre monde pour le débat par lequel comme ça sur le nom de Jésus. Et tout genou de fléchis, quel est le bête Lucifer nan touli, nan tout sans fond côté Léa, il de tomber sur Jésus, il de le nom de Jésus. Ce nom qui est puissant. Mais c'est puissance ça qui a mené le monde aujourd'hui. C'est puissance, mon Dieu, et puissance cet esprit-là. Et cet esprit-là, il y a un partenariat, il y a un boisson, il y a un mener, il y a un conduire, il y a un dirigeant. Pas là qu'il y a rien sur la table dirigeant, c'est cet esprit qui dirige le monde. Que, si vous parlez de cette présence, cet esprit, vous m'avez acheté un côté. Si vous avez une Bible dans mon ouais, vous avez cet esprit, achetez un côté. Parce que cet esprit-là, nous, depuis dans l'acte des apôtres, nous commençons avec vous, montre dans l'acte premier qui dit. C'est pour discuter de tant de présence de cet esprit-là. L'esprit est venu qu'on y a là, qu'on y a de partir, puis il y a une bonne nouvelle à tout partout. Pour avoir une nouvelle à tout partout, soit elle fait comme les filles de Séva, ou bien ça a pris vous. Là, il dit, on vient de faire miracle, Paul a fait miracle, tout le monde a fait miracle. Il dit, ah ben non, Paul, je chasse au démon, dit, je ne connais pas lui. Je ne connais Silas, je ne connais homme de Dieu. Et puis, démon, voltige sur eux. Mais démon, c'est son monde, l'on le démon. En plus, le monde qui est rempli avec démon.
De mon volé sur le déchiré, déchiré de yo. C'est petit des grands sacrificateurs qui te mette Noël là, nous tapis pour la Caïbe, Jean, Alexandre. C'est petit moun sa yol de yo. Qui besoin imiter. Travail mon Dieu. Ben, yo te déchiré, yo chiré, yo kouri, mais yo kouri. Sept petits, sept garçons. Yo mène qui mette zel na pie yo kouri. Cela veut dire que bien aimé, faut nous comprendre bien. L'évangile là, les papillages. Et soit marcher. Ou de marcher dans communion, ou de marcher dans volonté, mon Dieu. Je garde le moins parce que je connais, et nous presque n'étions pas grand le temps, mais nous avons quelques choses que nous capables de dire encore et dans ça. Et comment l'église a été réunie? Comment l'église a même été enjoy, été prend plaisir dans mon Dieu? Mais l'église a une façon que vous avez marché dans mon Dieu. Nous les premiers messages ça Pierre te prêché nous des dessiné qui soulier c'est monde qui sou c'est monde qui prend ta fia parce que ouais puissance cet esprit a manifesté mais texte ça m'a pas capable parler papa texte ça dans Éphésiens chapitre 5 avant me retourner kembe nan men nou kembe nan men nou et à 432 à 432 même dans Éphésiens et texte ça côté l'esprit dirige moi dit Il dit que c'est sûr. Est-ce que l'esprit est sauvé? Est-ce que cet esprit-là, l'elpon, il est capable de faire ton commun qui sou? Mais, si cet esprit-là, qu'a fait m'sou, plutôt m'sou dans cet esprit? Plutôt m'sou dans cet esprit, parce que m'sou avec ta fia, avec Wom, avec Col 47, avec tout ça que Haïtien a boué. Non, Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 18, m'appli, 1, 2, 3, 4 versets là-dedans, 18 à 21. Il dit comme ça, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et ce n'est bien sans dire là, même nos auditeurs, Capcouté, Radio Télé, Sentinelle, et la voix de l'église évangélique chrétienne de Dieu. Vous comprenez? Et au même cap que lui dit, il pas enivrer nos divins. Ça n'est pas sous avec du vin. C'est de la débauche. C'est mon cap de se débaucher. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça lui dit que, ou pas capable de boire du vin, ou l'eau sous avec du vin, rempli avec l'esprit. Pour qui ça? Monsieur te dit, monsieur te sous. On dit, monsieur, t'es sous, le premier message, apôtre Pierre t'a prêché, 3000 âmes deviennent à la repentance. Mais on te dit, c'est Pierre, c'est sous le sous. Mais la parole de Dieu dans Éphésiens, si dans Éphésiens, elle est là. Il dit, mes amis, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est pour remplir avec cet esprit. La vie, yon chrétien intérieur, en dedans. Pas de monde qui a si puissance en dedans. Et les cet esprit défendre avec du feu, il était descendu en dedans, il était en train de du feu, c'est du gongon du feu, avec du feu ça, ou capable de brûler toute force infernale, et diabolique, chasser au nom de Jésus, tout baka, tout démon, ou chasser au nom de Jésus. Et sans Jésus, tout, sur l'autre puissance liée. L'on a regardé, et qui fin avec ça avant de checker l'autre sa moto, sans Jésus, sur l'autre puissance liée. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débosse, soyez au contraire remplis de l'esprit. Après, c'est entretenez-vous par des sommes. Un sommeau, c'est dans cet essentiel lié. Et la Bible dit, c'est pour plaisir dans le sommeau. Son entraînement fait avec les sommes. Vous connaissez, nous m'a parlé quand le créole avec tout, par des hymnes, il y a des belles petits chants, on va chanter. Et par des cantiques spirituels. Bon, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est-à-dire que c'est tout ça pour faire le rempli du Saint-Esprit. Ou pas capable dans cet esprit, si on va chanter, c'est chanter l'eau, on va chanter. On va chanter l'eau, on va chanter, Wogon, on va chanter Baron. Eh non, diable Baron est tombé, on nous dit, par le feu de Jésus. Mais on doit entraîner. C'est-à-dire, c'est ça, ou soit, oui. Ou soit avec chant, ou chanter louange, ou chanter adoration, ou voltiger, béni soit l'éternel. Toute gloire pour mon Dieu. Bon, faut me lever mes mains, les oies ici. Faut me lever mes mains, beaucoup de béni soit l'éternel. Il dit, c'est ça, vous chantez des hymnes, des louanges, chantant et célébrant les louanges de tout votre cœur. Tout cœur. Pas faire hypocrisie, leur chanter, mon Dieu. La chair,
non mais mon Dieu. Et puis et ça et la miracle et tout et la pour dire là l'applaudir mon Dieu le Saint Esprit prend ou sous avec le Saint Esprit bonne ou danser pour mon Dieu ou danser pour mon Dieu ou sous ou l'eau soit avec divin ou sous c'est cet esprit fort soit ou virer ou avec des monde regarder monde cap chanter on a des monde cap chanter cap virer yo virer yo virer on va mais c'est la bible de gloire on va pas dire rien célébrer de tout votre cœur rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses ou rendre grâce à Dieu ou remercier mon Dieu pour toute bagarre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et toute bagarre au nom de Jésus toute bagarre au nom de Jésus chasse au nom de Jésus toute bagarre chasse au nom de Jésus c'est dans Matthieu 10 là dit ça le Seigneur dit guérissez les malades au nom de Jésus ressuscitez les morts sous ta essai ou ta prière ressuscitez les morts ressuscitez les morts au nom de Jésus et ou qui sont t'a fait encore ressuscitez les morts dans Matthieu 10 là verset 8 9 là après ça purifiez les lépreux les chasser les bagarres. Il dit chasser les baka. On nous chasse tout baka. Baka en Haïti, il y a un problème. Baka à droite, il y a un problème. Baka dans le monde, baka en Afrique, il y a un problème. Baka en Ukraine, il y a un problème. Baka en Russie soviétique, il y a un problème. Baka dans le monde, il y a un problème. Mais nous chassons au nom de Jésus. Nous voyons dans l'abîme au nom du Seigneur Jésus, avec le sang de Jésus. Vous avez des textes, nous dit, d'après l'Apocalypse, chapitre. Et moi-même chasser bakayo moi-même bakayo aller les bakayo nu on leur malade la caillou l'hôpital pas de vous connaissez qui ça le sang de Jésus son âme et c'est notre talent toute bible en personne ça qui est efficace et dans verset chapitre dans Apocalypse 12 dans verset 11 dit ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau qui l'agneau ça Jésus dit dans Zacharie ils l'ont vaincu. Qui est-ce qui soit l'en tête là pour c'est le diable, oui. Ancien méchanté qui te séduit Adam et Ève là, oui. C'est ça, nous avons dernier Adam, c'est Jésus. Mais ancien Adam, c'est grand-papa, non, ancien Adam avec Ève. Mais dernier Adam, Jésus, c'est Dieu, le Jésus, dernier Adam, parce que c'est lui avec le marché, avec Jésus marché, pour nous marcher. Et puis il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à perdre la mort. Mais nous-mêmes chrétiens nous appelons la mort. Nous déjà mourons déjà. Les nous mourons dans le baptême, non? Nous baptisons, nous acceptons Jésus, nous baptisons. Et puis, nous plongeons dans l'eau, pas qu'à expirer en bas d'eau. Si vous pensez en bas d'eau, qui m'a blanc net, on mourra en bas d'eau. Eh bien, l'eau ressuscite avec Christ. L'eau ressuscite avec Christ qu'on y a là. Ou vivant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mort pour tout ressusciter, même si Jésus ressuscite dans les derniers jours là. Après ça, l'eau finit ressusciter avec Christ. Donc, on y a l'eau sorti. L'église va aller recevoir la médaille d'association. Et puis après ça, on a une imposition des mains. On va recevoir le Saint-Esprit. Soit les pasteurs, il faut une onction pour poser mais sous fidèle là pour recevoir le Saint-Esprit. Ça fait un Haïti dans le pays, il y a plein de monde qui a goûté, il n'y a pas de présence de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit. Soit dans l'Hébreu chapitre 6, soit pour écouter son doctrine, imposition des mains, son doctrine. Mais si vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous n'avez pas de diable qui soit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas de Saint-Esprit. Qui vous là et nous technicien a fait un signal et sans doute non assez parlé alors de toute façon bien aimé on dit bon Dieu merci pour cette opportunité le bon nous et peut-être dans l'autre segment dans l'autre nous capable plus de ça que nous capable parler de la Pentecôte donc on est fête la Pentecôte là le chaque mois de juin et le mois de juin pile côté fêté li et puis nous gain aussi gain la Pentecôte que dans l'Ancien Testament, mais c'est la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Les fêtes des sept semaines et donc la moisson, c'est la Pentecôte là. Bonne explication au commencement, parce que message là, 23 trop long, ça que nous dit non. Mais bien aimé, l'essentiel, ça que je veux dire là, et le nom c'était Jésus-Christ comme son personnel, non. C'est pour nous marcher, c'est nous marcher selon l'ordre de cet esprit qui doit que de boisson. Les noirs c'est un pile ici assez de Jésus-Christ il passe au péché il pas mettre mon nom pour prêter attention avec cet esprit pour qui ça grand pile fois là revient en Haïti et dans pays nous les deux télévent en Haïti moi même en Haïti me télévent une bois ici mais nous yo joindre gon groupe mon yore la messe céleste qui a manifesté mais yo pas gain discernement pour connaître si mon ça c'est cet esprit qui a manifesté même gens le jour de la Pentecôte a manifesté ou de Dieu nous t'es sûr mais peut-être que capable c'est vrai cet esprit gain peut-être c'est mais puisque yo connaît présence l'esprit saint dans nous même c'est selon œuvre ou marcher si l'esprit saint avait œuvré parce que dans pile nèg ça yo connait dire yo pas bon et yo semble gain quelque bac à connait manifester quand l'esprit tout yo dit mon ça c'est sont des faux prophètes
moi-même, pas précédé ce faux prophète, non. Parce que y a pile qui mal comprend le bagage, et y a pile l'église qui dit, c'est l'église de Jésus que yo pas pa manifesté présent bon Dieu, ni cet esprit. Jean Apoto te dit là. Alors, et à bon entendeur, salut. Pour nous apprendre, comprendre que l'évangile là, pas prêché sans puissance. Sans puissance. Et next, nous, le message nous va gagner dans la Kay Koneye. Nous parlons de côté Kay Koneye, ça qui est arrivé, Kay Koneye. N'a pas eu, cet esprit descend sous païen, païen qui t'a fait Koneye, sans pour que même baptiser d'eau. Mais tandis que l'offre baptisé d'eau, dans le côté, c'est après baptême d'eau, ou imposer l'air, mais pour les gens de cet esprit. Mais de toute façon, même capteur de nom, les noms qui sont épuisés, on dit bon Dieu merci, et pendant nous pouvons prier, pour remercier mon Dieu, et sous pas de gain, esprit, ça n'en représente mon Dieu, cet esprit, au besoin de sauvage avant Jésus retourner. Faites tout effort pour capable gagner. Pour capable accepter Jésus-Christ comme Seigneur personnel, pour capable repentir et accepter. C'est Dieu, papa, nous qui nous enseignons, merci pour l'opportunité. Bon, nous, et matin, c'est là, pour permettre de monter sur Radio Sentinelle et sur la voix de l'Église évangélique chrétienne de Dieu, pour nous capable présenter mais ça c'est là. Nous connaissons tous les amis, nos habitants du monde entier, qui écouté et parole ça. Les capables permettre que les cet esprit capable convaincre convaincre nous veut l'esprit ça qui était écarté au plus repenti parce que la Bible dit de repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais Dieu sans tenir compte des temps annonce à tous les hommes Dieu qu'ils sont assez repentis. C'est temps pour nous repentir, non, c'est temps pour nous chercher Dieu, chercher et faire la volonté de Dieu. C'est grâce que nous demandons, cher Seigneur, sous le monde entier, sous famille non, sous maison non, sous tout pays qui est dans le monde et capte des paroles ça. Les capables aussi de bénédiction et de grâce pour nous tous ensemble. C'est grâce que nous demandons, cher Seigneur, dans l'hôpital de Jésus que nous te prions. Amen. Grâce, papa, comme nous petit là, ça laisse le côté la paix, la joie, la force, la délivrance, force, puissance, miracle, la vie. Non seulement pour le moment ça, vous devez maintenant et à jamais. Vous pouvez connecter avec nous, vous pouvez brûler le nom 786-3429-1442. Si vous voulez connecter sur Sentinelle là, vous pouvez faire www.zino.fm/sentinelle-inter. On capable de connecter avec sous réseau côté nous sur Radio Somme 27 chaque dimanche matin à partir de 3h pour 5h du matin, il faut avoir courage. Et puis pour capable de connecter sur Radio ça, Radio Caracol 1260 AM. On capable de connecter avec nous. Et c'est que mon Dieu capable de bénir abondamment. Et si nous avons l'autre annonce, avec l'autre audio, nous peut-être, les techniciens peut-être qui mettent audio dans pour nous-mêmes, nous avons capté Sentinelle, et les prières que nous avons matin, midi, minuit, 24 sur 7, et nous avons collecté, nous cherchons grâce, mon Dieu, dans le dernier temps. Ça. Et comme apôtre Pierre dit, la fin de toutes choses est proche, et c'est l'heure de vaquer à la prière. Bon Dieu, nous, shalom, shalom.